Une voix comme Foxy, où on a confiance à ses chaussures, on peut monter beaucoup plus relax. Mais sur la longueur, on faut l'endurance pour pouvoir partir après ailleurs. Je m'appelle Marcel Rémy. Je suis né le 6 février 1923. Aval. Je n'arrive pas à comprendre ces jeunes qui ne comprennent pas qu'on puisse arriver à un âge comme j'ai et puis qu'on ne devrait plus faire. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Quelques petits pas, des petits pas pour arriver au terme de notre grande évolution aujourd'hui. Voilà. Ah, merci. Ciao. Merci, merci, merci. Bravo, c'est bien ton nom. Over the mountain road, Marcel, c'est notre père, mon frangin et moi. C'est un alpiniste depuis qu'on le connaît. C'est un homme qui est vraiment doté d'une détermination, d'une motivation qui est incroyable. Et surtout, il a un seul caractère. C'est ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. C'est un homme aussi qui est très curieux, qui a envie de voir autre chose, d'autres gens, d'autres environnements, de goûter d'autres bouffes. Enfin, il est comme ça. Et il est déjà venu en Grèce avec nous plusieurs fois. Le 6 février qui va arriver, j'aurai 92 ans. Dans ma vie, j'ai été toujours passionné pour faire de la montagne, faire de l'escalade, comme je fais encore aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. De fantastique. Hier, j'étais dans les rochers avec un immense plaisir de pouvoir encore arriver à évoluer comme si à peu près quand j'avais 60, 70, 80 ans. Les dessins qu'il a en même temps, hein? Ma texture n'a moins vieilli que lui. Pour ses 92 ans, il a fait une ascension en tête qui était 5C, ce qui est quand même un sacré exploit à cet âge-là. Ok, regarde, on va aller faire une voie. À Leonido, secteur Madoul. Mmh. On fera celle-là, FOSL. Oui. La 19. La 19, oui. 19, c'est quoi la cotation? La 19. Marqué... C'est marqué 5C. Ouais. 5C. Oui, tout à fait. Mon pied est déjà bloqué.
Il s'est entraîné, il a toujours pratiqué, mais derrière tout ça, il faut une sacrée détermination, il faut un courage, il faut une volonté qui est incroyable. Ah, merde! Ah, oh, ça c'est bien. Ah, je suis content, j'ai bien trouvé la prise. Doucement, mon kiki, doucement. On a toujours grimpé ensemble, donc on se rend peut-être moins bien compte que des gens qui tout d'un coup voient un gars de 92 ans grimper encore du 5C en tête. C'est clair que là, c'est le choc tonique. On a toujours grimpé, donc pour nous, c'est normal, entre guillemets, je dis bien, c'est normal. Par contre, c'est vrai que tu dis, tu réalises que c'est un effort qui doit être quasi surhumain. Qu'est-ce que c'est beau ! Le rocher est beau. Mes gestes. Pour mettre la corde dans la dégaine, pour lui, on se rendait compte, puisqu'on était tout près, que c'était très difficile. Puis arrivé aux fins de longueur, t'avais quand même, il faut le dire, t'avais de la peine, t'étais vraiment limite là. Rien que pour mettre la corde, donc on se rend compte que, ma foi, on a de moins en moins de force avec l'âge. Elle était superbe. Elle était belle. Merci. Merci. C'est quelque chose d'extraordinaire, le miroir d'Argentine. C'est connu dans le monde entier. Et je viens de ici depuis 1946. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai fait, 200, 220 ou 240. Je ne sais pas. J'ai arrêté de compter. Je vais en diminuant. Hein. Je ne peux plus tenir le rythme. Et puis il faut être deux. Le miroir représente pour Marcel la course qu'il a le plus faite, la course qu'il adore faire. Puis quand il nous l'a demandé en mai dernier, franchement, ça nous a vachement inquiété parce qu'on s'est dit c'est quand même un peu trop difficile pour lui en fonction de son âge. Hein. Mais bon, il a vachement insisté, puis on s'est dit on va y mettre une sorte d'entraînement avec des buts et qu'il devait les réaliser, il devait y arriver, sinon on n'allait pas faire le miroir. Vu l'importance de la course pour son âge, il fallait la diviser par étapes. Donc ce sentier est d'abord raide, il est caillouteux, il est tournant, il n'est pas du tout facile, à part pour les alpinistes. Ouais, je serais mieux que de monter à pied. Non, mais je suis content. Mais je suis content déjà. Je vois que ça veut bien aller. J'aurais beaucoup de peine, mais ça va aller. La première étape était simplement de monter au pied du miroir et d'y bivouaquer. Même si le bivouac comporte des inconvénients, l'avantage c'est qu'il pouvait se reposer avant l'escalade en soi.
danseuse avec. If I were you, I'll quit that job. I'll live behind this hectic life. Le grand avantage de la salle, c'est que mon père, il a pu aller s'entraîner quelle que soit la météo. Il pouvait aller à n'importe quel moment faire ses 10 voix. On y avait dit, c'est bien, tu peux faire 10, 12 voix, plus ou moins de suite. Hein. Et puis ça, je pense, ça lui a permis aussi de garder la forme. Then slammed the door and I started laughing out loud till my tears rolled down. Cause now on words, I will live my life. Ouais, pour les pieds. Monte, ouais. Mets-le dans le camion. Voilà, la petite réglette. Monte ton pied gauche sur la blanche. La salle était conçue avec, pour la main de l'homme, voulant faire quelque chose de, un petit peu comme la nature, mais on n'arrivera jamais à trouver ce qu'on trouve dans la nature. Et simplement, pour maintenir la salle, je trouve que c'est très très bien. Naturellement, pour commencer, pour des jeunes, pour s'habituer, ben là, c'est aussi un pas beaucoup plus important qu'il y avait 50 ans arrière. Où il n'y avait rien du tout. Très très bien. C'est quoi comme cotation? Oui. Quoi? Oh, c'est 5B. 5B, ok. La plus belle du mur alors en fait. C'est quand même pas mal qu'un gars à son âge s'intéresse autant d'aller grimper même en salle alors qu'il n'y en a plus beaucoup qui le font à son âge. Je pense que ça lui a permis aussi de garder la forme. Il est allé donc à Rockspot, à la salle à Échandon près de Lausanne et puis chez nous. Quoi. Il alternait, donc il ouvrait encore la palette des possibilités des voix qu'il pouvait faire de manière plus large que s'il allait qu'à une salle. Leave Geneva and its misery, and I'll start rearing my hands, cows and goats, farming land. Watch the clouds passing by from time to time. I'll get myself a plot of land. I'll leave the city and its misery, and I'll be rearing my hands, cows and goats, farming land. When the sun sets in my rocking chariot. Sun sets in my rocking chariot. Sun sets in my rocking chariot. Je m'imaginais, mais de le voir là, grimper, sans aucune hésitation. Ça fait drôle, quoi. Ouais, faut bien se concentrer pour pas que les larmes sortent. Ça m'a vraiment pris, c'est quelque chose de, ouais, de vrai, d'unique, je pense. Assez fantastique. Le programme d'entraînement, je pense qu'il était excellent pour le rassurer et nous rassurer aussi. Mais ça ne voulait pas dire que c'était gagné, hein, franchement. Ah, merci. Tu mets le matos? Comment? Tu mets les boudards, on se prépare. On s'est réveillé à 6h moins 5 d'abord. On a mis un réveil pour qu'on ait une grande marge de faire un départ extrêmement doux, extrêmement lent. Parce qu'à cet âge-là, ben, d'abord on est très lent. Et puis on n'avait pas de raison de se précipiter puisqu'on avait une bonne marge. Mais cette brève marche d'approche, le père, il a mis du temps pour se chauffer. Il était un peu chaotique, il n'avait pas de la facilité à démarrer.
Ça glisse. T'as vu, Yvan, comme je vais? Ça va bien. Ça va aller? Ça va nickel. Parce que tu sais, t'es un gamin, quoi. Non, j'aimerais aller. Attends vite, pas ton âge. L'ascension du miroir, elle est très longue. Donc on a fait les trois premières longueurs de la voie normale du miroir. Ensuite, on a suivi la vire inférieure sur une longueur. Et on a rejoint la directe qui conduit au sommet du miroir. Elle fait 450 mètres. Et puis, il faut durer. Doucement. Ah ben, je suis content. Ah ben, je suis content. Oh. Oh là là. Eh ben. Ouf. Et ça, c'est beau. Doucement. Au départ, je pensais qu'il y avait que 5 à 10% des chances d'y arriver. Puis après, progressivement, cette chance, elle a grandi. Durant l'ascension, ça allait bien, mais comme j'ai dit, t'es pas à l'abri. Il dérape un tout petit peu sur une prise, il se tape le menton, il se tape la figure, bah peut-être t'arrêtes. Grimper encore comme ça. Je sens que ça diminue, mais je suis encore bien. J'espère être performant jusqu'au sommet. Tout doux, tout doux. Tout doux. Un petit pas. Là, c'est un gros pas. Un petit pas. Stone after stone, hill after hill, over the mountain go. Mile after mile, walk after walk, raise up your head and go. Stone after stone, hill after hill, over the mountain go. Time after time, day after day, night heals your pain. Keep up the faith, keep
keep up the pace, babe. Keep up the flame, stay in the race, babe. Jusqu'au dernier moment, il faut bien avouer, on était anxieux, on était pas sûr que c'était gagné. Under the sun, Shiva in the cold, keep up your head in wool. Keep up the pace, keep up your faith, mate. Keep up the flame, keep up your faith, mate. Franchement, je pense que c'est son caractère, cette détermination qu'il a en lui, qui l'a motivé pour aller jusqu'en haut, ça sans nul doute. Il faut avoir un cochon de caractère pour faire ça. Tu vois ça, tu dis, bah, j'espère que j'arriverai aussi à pratiquer des activités. Mais franchement... Oh oh, j'ai réussi. Keep up the faith. Putain, grimper, tu dois tirer sur tes bras. Oh. Si je peux le faire, tant mieux. Je veux pas cracher dessus. Mais j'en doute. Il est fatigué. Je suis comme tout le monde, mais j'ai une plus grande fatigue que les jeunes. Et je renouvelle plus la même chose. Hein. Keep up the faith, keep up the pace. Alors chacun peut arriver quelque chose. Tous les jours peut nous arriver quelque chose. Mais si on peut passer par-dessus, pour se faire plaisir. Je pense que c'est tout dans la tête que ça se passe. Ouais. Je me fais plaisir en faisant telle et telle chose. C'est bon. C'est mon stimulant. Mile after mile, walk after walk. Raise up your head and walk over the mountain, go over the mountain, go.